Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 15, je pense, d'Alias Final Curse. Alors, je vais devoir aller chercher Maïté qui va me remercier en me combattant avec ses Pokémon de type psy et 125 de base stat attaque SP. Ça fait peur. Ça fait longtemps que j'ai plus tourné cette série. Enfin, longtemps, genre une semaine à peu près. Voilà. Perfectly balanced as all things should be. Bref, parce que je viens de vivre la semaine la plus remplie et compliquée de ma vie. Je ne vais pas tout vous dire. De 1, parce qu'il s'agit de ma vie privée. De 2, parce que comme ça, ça me fait un sujet de discussion différent sur plusieurs épisodes. Non, mais voilà. Non, je voudrais juste dire que c'est le premier épisode que je tourne après le 18 septembre 2020, qui est une date évidemment très importante dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est la date où j'ai fini tous les jeux de mon backlog. Wouh, voilà. C'est génial. Donc actuellement, je suis à 0 dans mon backlog. Je n'ai pas encore rajouté de jeu. Et ça va être cool. Et en fait, elle est là, Maïté. Faut pas aller la sauver. Et si elle est là, ça veut dire que je vais la combattre tout de suite. C'est génial, j'ai hâte. Maïté a donc 4 Pokémon. Ils sont pas de type psy. J'ai dit Pokémon type psy tantôt, mais c'est parce qu'elle a un Kadabra et que ce Kadabra risque de me défoncer la tronche. Quoique non, en fait, le Kadabra il fait pas si peur. Non, le Kadabra ça va en fait. Enfin, ça a quand même un Kadabra avec un Orbevi, mais ça va. C'est les autres qui font un peu plus peur. Bref. Mais ils ont, c'est comme Maïté, elle fait partie des stats trainers, donc on avait Sarah, c'était les PV. Elle, c'est l'attaque spéciale. Et j'ai peur. Et c'est pour ça que j'ai son équipe exacte à côté de moi. Et voilà, elle a peur, donc elle m'attaque. Alors que je suis venu sauver ton Kadabra qui envoie des appels à l'aide aux kinésistes extérieurs. Bon bref, voici un Togetic niveau 27. Ce Togetic tient une baie citrus, a sérénité comme capacité spéciale, parce qu'évidemment, possède comme attaque éclat magique, tranchère, e-coq et doux baiser. Hein, c'est génial, c'est faux, c'est pas génial, alors je vais le paralyser. Bon, ok, je suis plus rapide. Je savais pas onde de choc qu'est-ce que ça allait faire, donc... Ok, il commence par Blazing Beam, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, non, c'est son stable, c'est puissant. J'aurais préféré qu'il fasse trancher sur mon Pokémon électrique, forcément, mais on peut pas tout avoir. Parafusion, non. Enfin, ça dépend. Je vais faire cette onde de choc, on va voir combien de dégâts ça fait. Et on verra si je décide de faire la parafusion ou pas. J'aurais dû faire onde de choc directement, j'ai rien dit, il a une baie citrus. En vrai, avec les dégâts qu'il m'a fait, j'aurais peut-être pu opter pour la parafusion. Heureusement que j'ai pensé à tout et que je me suis pris un coup critique dans la gueule. J'allais dire, heureusement donc que j'ai pensé à tout et que je me suis racheté des potions et des repousses avant de venir, avant de commencer l'épisode. Eh bien, ça commence bien, dis donc, tout ça. Alors, j'ai un Pokémon qui résiste à vol et à fée dans mon équipe. Et je pourrais le mettre, mais je ne vais pas le mettre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a un Kadabra qui arrive, voilà. Donc, j'avais aussi pensé à mettre Rory, parce que Rory, il peut pas se prendre de coups critiques, et il a Malédiction. Mais le Togetic à tranchère, c'est super efficace, et c'est spécial, donc Malédiction va pas aider. Donc, non, voilà. Et je peux faire éboulement sur ce Togetic. J'avais complètement zappé qu'Elisabeth avait éboulement. J'aurais peut-être dû la mettre elle en première position directement. Quoique la paralysie a aidé. Ah ah, le flinch, bien fait. Oui, oui, hyper potion sur Togetic, vas-y. Qu'elle passe sur Togetic ton hyper potion. Non, par contre, là, l'éboulement qui rate, non en fait. C'est chiant l'éboulement qui rate. Il perd la moitié de sa vie. Ok, d'accord, flinch encore. En fait, il a sérénité pour lui-même. C'est lui qui flinch. Voilà, ok, donc voilà, je sais pas combien d'objets de soins elle a, Maïté, mais si un objet de soin passe sur Togetic, ça marche. Alors, Porygon 2 a triple attaque, rayon chargé, rayon signal et soin, et je le déteste déjà. Je vais rester avec Elisabeth parce que elle ne peut pas se prendre de rayon chargé, donc il peut pas augmenter son attaque spéciale. Et c'est juste bien. Considérant qu'il a soin, alors triple attaque évidemment va faire très mal.
Rayon Signal peut rendre confus, mais il va sûrement faire triple attaque. Je pense que je vais faire un piétisol pour le ralentir, au cas où je dois switcher. Comme ça, mais je pense que Porygon 2 n'est pas un Pokémon très rapide, mais mon équipe ne l'est pas forcément non plus. Donc si je dois switcher sur un Pokémon plus lent, ce sera peut-être un peu mieux. En plus, Porygon 2, c'est un Pokémon quand même assez tanky. Donc c'est peut-être pas plus mal de préparer la chose. Ok, 49 sur 83, il me 2 HKO pas avec triple attaque, c'est très bien. Enfin, très bien. C'est une bonne nouvelle, on va dire ça comme ça. Il a fait combien 49 sur 83, il a donc fait 34 PV de dégâts. S'il me refait 34, il me reste 15. Je perds pas 15 d'une brûlure, c'est un 8ème la brûlure. Ouais, je perds quand même 10, mais... donc ça devrait aller même s'il me brûle. Parce que genre, je le vois bien, la triple attaque qui me brûle et le dégât de la brûlure Mekao Elisabeth. Je veux dire, je fais des Nuzlocke depuis 6 ans et demi et je suis sur Renegade Platinum, donc je sais très bien comment les choses arrivent. Mais... Là, il m'a fait 9 dégâts, ce qui veut dire que c'était un high roll, parce qu'il vient de faire 40 PV, il m'en avait fait 34 avant. Et là, si Elisabeth avait été brûlée, elle était morte. C'est toujours très joyeux. Alors, je n'ai que des super potions, parce qu'évidemment, on ne peut pas acheter d'hyper potions, alors qu'il faudrait pouvoir acheter des hyper potions. Je ne sais pas si c'est changeable, le contenu des magasins, mais vu qu'on peut changer les prix, on peut changer le contenu de Rayano. Et du coup, là, je suis dans la merde. Parce que je peux pas, parce que une super potion n'est pas suffisante pour qu'Elisabeth sorte. Enfin, je veux dire, il fait 40 PV. Je me soigne de 50 PV. J'ai besoin d'en avoir 83. Il fait 40. Donc la solution, c'est de regarder la défense spéciale d'Elisabeth. Elle est à 52. Très bien. Et maintenant, on regarde la défense spéciale de mes autres Pokémon. 42. 43. 58. Oui, mais non. Le moment doit rester. J'ai besoin du moment pour Kadabra. Et Rory à 47, ce qui est pas spécialement bien non plus. 47, ça va. Ouais. En vrai, le truc, c'est que si le docteur est plus rapide et qu'elle fait casse-brique, ça devrait suffire. Vu les PV qui lui restent. Et Porygon 2 est à moins en vitesse, donc le docteur devrait outspeed. Et la triple attaque a fait... entre 34 et 40 dégâts, Elisabeth qui a 56 de défense P, 59 de défense P, enfin bref, dans les 50 de défense P, ici, 43 de défense P, ça va faire plus de dégâts, mais est-ce que ça n'en fera pas 86, je pense. Donc, je pourrais essayer avec Harry aussi, et de faire casse-brique. Est-ce que ça revient au même? Le docteur a plus d'attaque, c'est beaucoup plus... c'est mieux si le docteur... Et si jamais la triple attaque du truc décide de brûler, c'est avantageux sur... pour le docteur grâce à cran. Enfin, je veux dire, la paralysie aussi, mais la paralysie, là, c'est chiant parce que j'attaque après. Et donc, ça ne va pas parce que le truc, il a rayon signal, rayon chargé, on s'en fout. Donc je vais switcher sur le docteur et je vais faire casse-break. Parce que je l'outspeed, je l'ai décidé et ça doit être ainsi. Non mais en fait je suis bête. Il suffit de comparer les vitesses. Pourquoi t'as fait rayon signal? Ah bah oui, parce que Elisabeth avait plus beaucoup de PV, donc l'IA aime bien changer d'attaque. Faire une attaque moins puissante si elle sait qu'elle va mettre KO. Ce qui est intéressant parce que c'est pour conserver les PP, évidemment ça arrive presque jamais jusqu'à la fin de... des combats hein, pour ça, mais Elisabeth, tu as 45 de vitesse, le docteur a 36. Bon, il est à moins 1 en vitesse, le Porygon, hein, mais ok, plus rapide, casse-brique, jusqu'à preuve du contraire, Porygon 2 est toujours type normal. Ok, down. Ce qui va être moins ok maintenant, c'est que... Oh, Kadabra directement. Ok, non, c'est très bien Kadabra. Parce qu'une fois que je gère Kadabra avec le moment, je peux laisser Kadabra pour le... Non, j'ai rien dit. Je peux laisser le moment pour prochain Pokémon, mais le prochain Pokémon est un Spectrum, donc je ne peux pas. Je rappelle que le moment est faible face au T-Spike dans cette run. Donc, Kadabra a un orbe vie. Garde magique, ouh! Pas garde mystique, hein, garde magique, vous en faites pas.
et Rafale Psy, Nuherbe, Éclat Magique et Soin. Donc, je suis content d'avoir un Pokémon qui résiste au type Psy, au type Plante et au type Fée. Voilà. Et qui peut faire... Ouais, bon, voilà. Aïe. Aïe. En plus, il a garde magique, ce con. Donc forcément, il se prend pas des dégâts de son orbe vie. C'était un coup critique, hein. Non, pas de... Pas d'inquiétude. Enfin, si, inquiétude quand même, mais pas d'inquiétude. Objet de soin numéro 1 du combat. Oui, oui, si vous nous rejoignez seulement dans cet épisode et que vous n'êtes déjà pas parti parce que je donne sûrement l'impression d'être complètement foilé. Je n'ai que droit qu'à 5 objets de soin par combat dans cette run, voilà. Alors, vous savez quoi? Je mérite que ce soit un coup critique et que le moment meure. Je le mérite parce que j'avais pisto freaking point et j'aurais dû faire ça au lieu de me laisser refaire toucher par tranche-herbe, par nœud herbe. Ce n'est pas arrivé, tant mieux, mais je le méritais. Et donc un Spectrum arrive et ça, c'est le moment où on se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire contre un Spectrum avec une avec Balombre Non, un Spectrum avec Balombre, ça suffit en fait. Balombre, Reflet, Hypnose et Malédiction. Bah oui, Reflet tant qu'on y est. Hein. Ah, ah tiens, ce serait marrant si j'avais un Pokémon avec Onde de Choc. Donc, est-ce que j'utilise Harry ou est-ce que j'utilise Rory? Je vais utiliser un Pokémon dont le nom finit par Harry. Alors, le Spectrum a toujours Lévitation. Parce que je pourrais faire Malédiction, mais ça sert à rien contre une Balombre. Mais le truc, c'est qu'à 47... 42. Genre, regarde, c'est nul. C'est nul comme... comme défense. Le truc, c'est que Harry, avec Turbo, il y a peut-être des chances pour que... pour qu'il outspeed le Spectrum après. Et donc, s'il le 2 HKO, il doit se prendre qu'une seule ballon du Spectrum et ce sera peut-être, il pourra peut-être tenir. Peut-être, j'en sais rien. Parce que le truc, c'est que Rory, au final, je lui fais quoi au Spectrum? Il résiste à... Bon, il peut pas se faire toucher par Piétisol. Il est type... il a Lévitation. Il résiste au... Il résiste à canon-graine. Parce qu'il est... parce qu'il est type poison. Donc, malédiction sert à rien si je me prends des ballons. Et Vampigraine, c'est sympa, mais j'ai besoin de le tuer plus rapidement qu'en 8 tours, si c'est possible. Donc, le truc, c'est que je n'ai aucune idée de si, avec 76 PV et 42, je pense, 42 de défense P, c'est suffisant pour Harry pour résister à une ballombre. Et je n'ai aucune idée si 45 de vitesse fois 1,5 après le premier tour grâce à Turbo, c'est suffisant pour gérer un Spectrum. Cela dit, je viens de me rendre compte qu'en fait, il avait Griffombre. Griffombre, c'est... Donc, si je fais Griffombre, c'est 80, super efficace, 160, et ici, c'est 75, stabé... Ouais, maintenant on n'arrive pas à 160, je suis con, parce que j'allais dire stabé, oui, mais il y a le charbon, mais ça fait x1,5, x1,2, ça peut pas faire plus que x2, si... Ok, donc, voilà ce qui va se passer. Je vais mettre Harry, je vais espérer que Spectrum rate sa ballombre, pas rate sa ballombre, c'est pas possible, mais que Spectrum ne tue pas Harry avec une ballombre. Je fais Griffombre et je le mets KO en un coup parce que c'est un freaking Spectrum. De manière alternative, il décide de faire Malédiction et je le tue. Il fait Hypnose et il rate et je le tue. Il fait Reflet et je réussis et je le tue. Ce sont des alternatives. Et il décide de faire Reflet, d'accord. Une chance, 3 chances sur 4 de toucher Griffombre. Je touche. Il est pas mort, mais il est presque mort. Peut-être objet de soin de la part de Maïté? Non, et je suis plus rapide grâce à Turbo, c'est bon. Il y avait évidemment toujours la chance que je rate à cause de Reflet. Je pouvais pas me permettre de jouer, d'essayer de contourner ça. Il fallait qu'il touche, il y avait 3 chances sur 4. Ouh. Enfin, j'ai l'air rassuré là, quand il y a quand même un Pokémon qui est mort dans ce combat. Hein. Est-ce que tu as fait une erreur? Oh, tu viens de tuer un de mes Pokémon, mais t'as l'habitude, puisqu'il y a 10 ans, t'as tué un Rakaiu Shiny. Oui, je t'en veux encore. Ouais,
Ah, génial. Ben oui, je me disais, tiens, c'est marrant, mais elle est à l'entrée, est-ce que je peux repartir? Non, il va falloir que trouver ses affaires. Mais qu'est-ce que tu fous à perdre tes affaires dans des caves aussi? Va pas dans des caves! En plus, pourquoi tu lances un appel de détresse de Tokadabra alors que t'es près de l'entrée? Tu pouvais juste sortir et demander de l'aide. Enfin bref, on va dire qu'elle a 6 ans et qu'elle sait pas réfléchir. Voilà. Même si c'était insultant pour les enfants de 6 ans, hein, je veux dire. Je veux dire, l'âge et l'intelligence, ce n'est pas lié. Bon. Et j'ai trouvé un tesson vert. C'est génial, ça sert à rien. Non, vraiment, ça sert à rien. Les move tuteurs sont gratuits. Et en plus, j'ai 18 repousses restantes et je sais restant et je ne sais pas si ce sera suffisant. Si on était en 2017, j'aurais pu essayer de faire une blague comme quoi l'objet qu'elle a oublié, c'est genre un hand spinner, etc. Mais le mème est dépassé, maintenant on est en 2020. Donc voilà. Est-ce que c'est cet objet? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je vais devoir combattre ces... Ah, en plus, elle, voilà, elle est ressuscitée, elle n'est pas morte, je vois pas de quoi vous parlez. Elle est dans l'équipe. Non, évidemment, elle est morte. Maïté la soigne tout le monde automatiquement. Dodo n'existe pas. Et si je tombe contre un truc qui fait cyclone ou hurlement, merde, voilà. Non mais oh, laissez-moi sortir de cette cave. Laissez-moi ne plus jamais voir Maïté de ma vie, s'il vous plaît. Wayne, génial, je me bats contre Batman. Oh! C'est un Ranboom. Je n'ai pas que de faire coup critique à lui faire. Tu es un vrai fan si tu as compris cette référence. Like mon post pour que d'autres puissent le voir. Ça fait du bien de se moins s'inquiéter pour un combat. Maintenant, je dis ça, mais ce ratatac va tuer le docteur en un coup, évidemment. C'est genre. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Ok, non, il va pas tuer le docteur en un coup. Non, non, c'est pas possible. Parce que c'était trop fatal, ça fait toujours la moitié des pépites. Mets le chaos, s'il te plaît. Oui, merci. Ok, niveau 25, c'est bien. Un peu plus bas niveau. J'ai battu Wayne, j'ai même pas besoin de me soigner parce que Maïté le fait. C'est ça qui est génial. Ce qui aurait été génial, c'est de ne pas devoir voir Maïté du tout, mais... D'accord, mais à qui tu parles en fait? Parce qu'il n'y a aucun Pokémon qui pleure dans mon équipe. Et je ne suis pas un Pokémon, Aléa non plus. Ou alors elle parle à ses propres Pokémon et je suis là en train de l'agresser. Elle est en train d'essayer de rassurer son Skitty qui a peur, et moi j'arrive avec mon Metang, piste-au-point, défonce-la! Ah, j'ai dit piste-au-point, mais évidemment, casse-brique, hein. Autant rester super efficace. Voilà. Ah, c'est radical, hein. Ah, ce Skitty, n'oublions pas, les Skitty sont à moitié le diable, voilà, manifestement. Œil miracle, bien sûr, j'ai vraiment envie de dépenser un slot d'attaque pour toucher les Pokémon ténèbres avec mes attaques psy alors que je peux leur faire casse-brique. C'est vraiment très... Niaouss, ok, donc c'est l'arène de type normal ici en fait, c'est ça? Genre, vous êtes sûr que vous n'êtes pas de Clémentiville ou un truc ainsi? Ah non, feinte, c'est super efficace. Tu m'as fait 16 PV. Tu as pris 20% de... Tu es 20% des PV du moment. C'est genre exactement le pourcentage exact de soleil dans Super Mario Sunshine qu'on peut avoir grâce aux pièces bleues. Un cinquième du jeu, c'est les pièces bleues. Enfin bref, je dis ça, mais le 18 septembre 2020, en plus d'être la date où j'ai complété mon bac loguerie, pas complété, fini mon bac loguerie, complété, ça arrivera probablement jamais. C'est aussi la date de sortie de Super Mario 3D All-Star, hein, jusqu'à ce que dans 6 mois le jeu n'existe plus. Et j'aurais pu me laisser tenter et acheter Super Mario Sunshine, en gros Super Mario Sunshine à 60€ parce que j'ai déjà 64 galaxies. Mais en fait, non, parce que c'est à durée limitée et je comprends pas pourquoi. Et que donc j'ai pas envie. Je comprends pas la technique de Nintendo, j'ai l'impression qu'ils en ont un peu rien à foutre. Et je me dis que si c'est limité et qu'il n'y a plus aucun moyen de jouer
à Sunshine et Galaxy et 64 dans le futur sur la Switch, ben c'est juste mal foutu et je ne veux pas, je vais pas acheter parce que je vais pas soutenir ce genre de pratique parce que ça veut dire que Nintendo ils vont peut-être le refaire et ce serait con. Et s'il y a moyen d'accéder aux jeux par après dans le futur, et ben je ferai en sorte d'avoir les jeux par après dans le futur. Si ça, en plus si jamais je peux. Oh, il a pierre nuit. Ah ah. En plus si je peux me. Laissez-moi acheter Sunshine à 20€. Genre je paye 20€ pour votre Sunshine HD plein écran émulé sur Dolphin et comme ça je peux justifier le truc que ouais je l'ai fait sur l'émulateur mais c'est pas grave je l'ai acheté en vrai je peux prendre le je peux prendre les gens de haut avec ma moralité comme ça et genre j'ai pas besoin de rejouer à 64 en HD je peux jouer à 64 sur ma Wii U. Le truc c'est que c'est sur la console virtuelle de la Wii et c'est avec la manette classique de la Wii et c'est un peu moche. Mais c'est pas grave parce que regardez-moi cette tête de fer, elle va être super efficace. Et ouais, parce que Lumivol est insecte fée. Et Luciole est insecte électrique, ce qui est assez étrange. Généralement, Luciole et Lumivol, si on change le type d'un, on change le type de l'autre, pour la même chose, mais là, c'est pas le cas. C'est, voilà, changement différent. Au final, pourquoi pas? C'est un peu étrange, je trouve. J'aurais plus vu Lumivol insecte électrique qu'insecte plant, qu'insecte fée, mais pourquoi pas? Insecte fée, c'est de toute façon assez, assez unique, hein, c'est unique comme type, donc... Ça peut être sympa. C'est quoi les faiblesses d'insectes fées du coup? Acier, poison, roche, vol, feu. Ouais, y a, les faiblesses sont combinées. Il n'y a aucune résistance qui se met bien. Non, c'est pas... En tout cas, ça fait très très peur au Pokémon Ténèbres, ça. Hein, insectes fées, oula. Bref, donc voilà, je disais... Genre, le truc avec Super Mario 64, c'est que je peux le faire sur console virtuelle de la Wii U. Je pourrais le faire sur émulateur. Le problème, c'est que maintenant, je sais pas pourquoi, avec Project 64, l'émulateur Nintendo 64 que j'utilise... Oh! Regardez, cette tête de fer ne va pas être très efficace. Je vais faire Psy Coup de Boule, du coup. Parce que, comme je viens de le dire, il est insecte électrique et électrique résiste à acier. Je pense que les résistances... les types qui résistent à acier, c'est genre une partie de la table des types assez obscure. C'est genre les derniers trucs qu'on apprend à peu près... Genre, et feu, eau, électrique et acier résiste à acier. Et des trucs aussi genre spectre résiste à insectes et poison, c'est aussi les dernières interactions qu'on apprend. Saviez-vous que roche ne résiste pas à insectes? Eh ben moi je l'oublie à peu près toutes les 3 secondes. Un linéon, d'accord. On voit bien qu'ils étaient censés être en combat duo, mais il est hors de question que je fasse un combat duo. Si je peux l'éviter, je l'évite, hein, et merde. Genre, vous voyez le duo de top dresseur sur la route 210 Nord, là? Qui ont un Raichu et un Léviator dans le jeu de base. Genre, je vais les éviter, là, je vais me la jouer Solid Snake autour d'eux. C'est genre, il n'est pas question que je les combatte. Déjà, dans le jeu, en Vanilla, ils font super peur. Alors, dans Renegade, j'ose même pas imaginer. Niveau 30 pour le docteur. Représailles. Pourquoi pas? En vrai, comme le docteur va être assez lent, ça pourrait être bien, même si en vrai... Ah, sabotage, c'est bien quand même, hein. Retirer l'objet de l'adversaire. Et c'est 65, donc... Représailles, c'est une CT, normalement. Donc si je veux vraiment lui apprendre représailles, je peux lui apprendre représailles plus tard. Non, il y a quelque chose qui me dit que retirer l'objet des Pokémon en face va peut-être être très utile. Et en vrai, avoir une attaque ténèbre, c'est bien, mais c'est fort contre quoi ténèbre? C'est fort contre Psy. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un... Je vais pas mettre le docteur contre un Pokémon de type Psy. Et c'est fort contre Spectre. Et ça, c'est bien. Parce que le docteur peut pas faire grand-chose contre Spectre. Mais j'ai déjà sabotage, vous voyez. Enfin, je sais pas, je suis... Alors bien sûr, ce foutu endroit est un freaking labyrinthe, parce que sinon ce serait pas marrant. Mais bref, tout ça pour dire que sur Project 64, avec l'émulateur 64,
En fait, avec ma manette pro, mon Pro Controller Switch officiel, la manette officielle, il y a une, les joysticks agissent tout seuls. Genre, il y a une, le perso avance tout seul. Donc, et quand je mets une dead zone, parce que j'avais ça sur Dolphin, l'émulateur GameCube aussi. Mais je l'ai, j'ai juste résolu en mettant une dead zone. Ça veut dire que, à part c'est, je sais pas exactement en quelle unité il travaille, mais à partir d'un, il ne détecte le mouvement qu'à partir du moment où le stick est suffisamment est suffisamment dirigé dans une direction. Dirigé dans une direction, c'est un peu redondant, mais peu importe. Et ça marche très bien sur Dolphin, parce que à partir du moment, genre, il enregistre toujours techniquement que mon joystick est toujours un peu vers le bas, mais comme ça rentre dans la dead zone, il n'agit pas, il n'agit comme s'il se passait rien. Donc ça marche bien, je peux aller dans toutes les directions, il n'y a vraiment aucun problème. Mais avec Project 64, j'ai exactement le même truc que mon joystick fait comme s'il allait tout le temps vers le bas, ce qui est bizarre, parce que sur Switch, j'ai aucun problème, hein. Genre vraiment. J'ai pas de joystick drift sur mon contrôleur Nintendo Switch, quoi. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais sur l'émulateur 64, quand je mets une dead zone pour éviter que ça fasse ça, et ben après, quand je vais à fond vers le haut sur mon joystick, c'est pas à fond pour l'émulateur. Et du coup, ben, si je veux bouger dans un environnement en 3D, soit dans Mario 64 par exemple, ben Mario veut pas aller il veut pas aller à pleine vitesse, et ça va être complètement, enfin ça fout tout le truc en l'air, quoi. Et j'arrive pas à changer ça, j'arrive pas à régler le problème, et donc c'est assez énervant parce que j'ai plus accès, enfin plus accès. Actuellement, je peux plus vraiment jouer à la 64 sur l'émulateur, ou il faut que je trouve une autre manette, ou il faut que je trouve un autre émulateur 64. Donc j'ai fait un peu, regardé un peu, et je pense que, genre, le seul qui a l'air d'être aussi célèbre, enfin en tout cas aussi utilisé que Project 64, c'est, je sais plus comment il s'appelle, Mupen, un truc ainsi, mais c'est l'émulateur qui est fait pour les tout la City Speedrun, en fait. Donc je sais pas s'il a la même. Je sais pas si c'est pour jouer de manière plus casu, entre guillemets, c'est une bonne alternative. Je l'ai toujours pas téléchargé, faudrait que j'essaye, hein, ça me coûterait vraiment rien, honnêtement. Mais le truc, c'est que j'ai lu aussi que beaucoup de ROM 64 étaient faites, en fait, pour Project 64. Genre, parce que l'émulation 64, c'est compliqué. Même encore aujourd'hui, en 2020, c'est pas parfait. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc, et donc, comme c'est pas parfait, l'émulation en 2020 sur 64, j'ai répété le début de la phrase parce que je ne sais plus ce que j'allais dire. Je sais vraiment plus où ma pensée allait. Waouh, c'est un bandeau! C'est pas ça que t'as perdu? D'accord, ok. Genre, elle vient de dire qu'elle aime bien croissance et Lilliput. Voilà. Donc, vous faites de cette information ce que vous voulez. Et là, vous vous dites peut-être, est-ce qu'on se ferait pas en train de se. Est-ce qu'on se ferait pas un peu chier à voyager dans cette foutue cave à la con? Et vous avez complètement raison. Non, ceux-là, je les ai déjà battus. Combien de repousses il y a encore d'où ça va. Bref, donc tout ça pour dire que c'est énervant, quoi. Comme il y a peut-être des ROM qui sont prévus pour Project 64, ben, si j'utilise un autre émulateur, il fonctionnera pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment refaire Super Mario 64, un jeu que j'ai sur émulateur. C'est plus faire Super Mario 64 Randomizer, par exemple. Ou des hacks, genre Super Mario Star Road, Super Mario 74. Je peux pas actuellement, quoi, donc c'est un peu dommage. Donc il faut que je. Voilà, il faut que je plonge un peu plus dans cette truc. Alors là, voilà, Crimson Ribbon, c'est génial. Un ruban écarlate. Non, écarlate, c'est Scarlet. Crimson, c'est quoi? Cram. Non.
Je sais plus ce que c'est Crimson, ça m'énerve. Bref. Oui! Alors, j'aimerais bien lui dire, la sortie, c'est par là, mais non. En tout cas, vraiment, vraiment très utile, Maïté, parce qu'elle vient quand même me dire, tu te souviens où c'est la sortie, hein? C'est là où tu es, par là où, par où tu es entré. C'est... Merci. C'est très, très utile comme... comme remarque. Mais donc voilà, si jamais vous êtes dans Platine Vanilla et que vous rencontrez un Rakaïu Shiny, eh bien Maïté se fera un plaisir de le mettre KO et de laisser l'autre, le Onyx qui l'accompagne, complètement vivant. C'est une tristesse sans fin. Enfin, cela dit, c'est marrant parce qu'avec 1 sur 512, 1 sur 512 c'est quoi? C'est 2 exposants 9. Donc ça ferait 2 exposants 18, non ça ferait beaucoup, c'est beaucoup trop ça. Exposant 18, c'est 242. Non, 65 536, 131 000. 262 144. Donc, dans Renegade Platinum, faire un combat duo et tomber sur deux Shiny en même temps, ce serait une chance sur 262 144. C'est beaucoup. Mais on ne sait jamais. Et si ça se produit, eh ben, si vous... Donc, si dans la 4G, vous faites un combat duo, un combat de sauvage duo, et que les deux Pokémon sont Shiny... Il y a beaucoup de chances pour que votre jeu crache. Évidemment, avec les taux normaux, 1 sur 8192, ça a tellement peu de chances d'arriver. Voilà, c'est genre 2 exposants 26, je sais pas, ça fait combien, mais c'est beaucoup. Mais bon, voilà, ici, avec un taux de 1 sur 512, peut-être que ça le fait aussi. Et il y a moyen de vérifier ça en faisant le bug de Joli Sourire et en ayant une chance sur 4 ou une chance sur 5 d'avoir un Shiny. Et c'est la CT Dazzling Gleam, éclat magique que personne ne peut apprendre, mais bon. C'est pas grave, parce que je connais quelqu'un qui a besoin de cette CT. Et je vais lui apporter, je tiendrai ma promesse. Alors, il faut dire aussi, n'oublions pas quand même que je me trimballe un cadavre depuis à peu près 25 minutes. Donc, je n'ai apparemment pas le droit d'avoir un Pokémon de type électrique dans cette équipe. C'est comme ça. C'est peut-être l'aimant qui est maudit, je ne sais pas. Mais bon, heureusement, j'en ai encore un là. Je lui donnais l'aimant. Genre, on va voir si l'aimant est maudit. Hop. Voilà. Non, voilà. J'aime bien avoir le type électrique dans mon équipe. Est-ce que j'avais regardé tout cela? Je ne sais pas. Bref. Ça, c'est bien. Mais moi, ce qui m'importe, c'est ceci, évidemment. Bonjour. Oui. Ouais. Mélofé! Ça, c'était Jirachi. Voilà. Donc, c'était important. Il fallait pas oublier ce Mélofé. Je ne savais pas du tout ce que ça faisait. Je sais pas s'il allait me donner quelque chose, mais c'est pas grave. Il y a un Mélofé heureux sur cette terre, en plus. Et... c'est suffisant. Ce qui est suffisant aussi, c'est cet épisode. La prochaine fois, je vais entraîner un peu. Je vais m'entraîner un peu parce que Yann est niveau 22, donc il faut le remettre à jour. Et la prochaine fois, je vais pouvoir combattre Lucia. C'est génial. J'ai hâte. C'est faux. Mais du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi... je vous retrouve dans l'épisode 16 d'Alias Final Curse.